Le 18 juillet dernier, Marine l'orphelin partageait sur Instagram une magnifique photo d'elle et de son compagnon Christophe, sur la plage pendant un coucher de soleil. Un poste qui aurait pu laisser penser à un simple souvenir romantique, mais qui était en réalité l'annonce d'une séparation. En légende de sa publication, l'ancienne Miss France expliquait avoir décidé, avec l'homme qui partageait sa vie depuis déjà 9 ans, de continuer leur chemin séparément, sans donner la raison qui les a poussés à rompre. Ce samedi 5 août, la jeune femme de 30 ans a proposé à ses fans, dans sa story, de discuter un peu et de lui poser leurs questions. Un internaute a alors tenu à savoir comment elle allait vraiment. Sans filtre, Marine l'orphelin a alors donné de ses nouvelles à ses abonnés, en précisant qu'ils étaient nombreux à lui poser cette question. Merci pour votre soutien ces dernières semaines, vraiment, a d'abord affirmé l'ex-reine de beauté avec reconnaissance, en ajoutant, en toute franchise, je dirais simplement que ça va. Ça pourrait aller mieux, évidemment, mais ça va. Sans tenter d'embellir les choses, celle qui a obtenu son diplôme en médecine générale a précisé que la douleur d'une séparation ne disparaît pas en un claquement de doigts et a reconnu qu'émotionnellement, elle était très fragile. Supérieure à supérieure à Vaimalama Chavez, Marine l'orphelin, Malika Ménard. Retrouvailles glamour des Miss France à la Fashion Week. Une jeune femme ambitieuse et tournée vers son futur malgré tout, Marine l'orphelin est bien décidée à se concentrer sur le positif, notamment parce qu'elle n'est pas du genre à se laisser aller trop longtemps. Forte même si elle vit une épreuve dans sa vie sentimentale, la jeune femme a l'intention d'avancer en se tournant vers son avenir, notamment professionnel. J'ai plein de projets et je suis bien entourée. Le temps fera son travail, a-t-elle ajouté, confiante et rassurante. Pour rappel, lorsqu'elle a annoncé qu'elle n'était plus en couple avec Christophe, elle saluait leurs moments de rire, de joie, de peine, de discussion, de projets, de souvenirs communs, qui resteront gravés dans leur cœur. N'ayant vraisemblablement pas de rancœur envers son ex, elle assurait qu'ils seront pour toujours un pilier l'un pour l'autre. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Dominique Jacovide.